Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tutoriel qui va vous présenter la nouvelle fonctionnalité de Enable Cough Data Protection, le Standby Image. Le Standby Image est un puissant outil de récupération et de restauration en continu. En effet, cette feature va vous permettre de créer une image miroir d'un serveur ou d'une workstation en machine virtuelle, laissant ainsi la possibilité à votre client de continuer à travailler et ou de récupérer ses données malgré le disaster en cours. Rendez-vous sur votre console Cough Data Protection. Vous devez obligatoirement avoir un poste qui a un backup avec le système State. Il vous faut également une recovery location. Dans l'idéal, un poste ou un serveur avec beaucoup d'espace disque de disponible. Rendez-vous ensuite dans le recovery dashboard. Sélectionnez Plan, puis Standby Image. Vous allez ensuite devoir choisir votre client, votre recovery location, puis la liste des postes compatibles va apparaître. Vous pourrez ainsi voir que la raison principale pour laquelle un poste est incompatible provient du fait que le système state n'est pas présent dans la backup. Sélectionnez votre poste, la passphrase du poste est alors détectée automatiquement. Si ce n'est pas le cas, c'est à vous de rentrer cette information. Nous sélectionnons ensuite l'hyper-V dans le recovery settings. Vous pourrez également, si vous le désirez, voir les options complémentaires. Rentrez votre mail pour recevoir les rapports de la fonctionnalité. Vérifiez que toutes les informations sont correctes et validez la création du plan. Vous verrez ensuite dans le dashboard recovery votre plan avec les informations en cours. Le standby image se met à jour à chaque backup du poste, l'image miroir restant ainsi updatée continuellement. Nous avons à présent dans notre gestionnaire Hyper-V la présence de notre recovery location et de notre serveur en machine virtuelle. Il suffit de la démarrer et vous pourrez ensuite vous y connecter. C'est terminé pour aujourd'hui, en espérant que cette démonstration vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, cela vous permettra de voir nos 300 vidéos techniques et commerciales et de ne manquer aucune de nos actualités. Je vous dis à très bientôt !